parmi eux. Que nous ayons des cadres parmi eux. Merci. L'association des apôtres de la diaspora CAD, basée aux États-Unis, a récemment effectué un geste significatif en faisant don de 100 tables bancs à deux établissements scolaires de la région Akposso au Togo. 50 tables bancs ont été remis au CG de Ounabe, situé dans la préfecture de Wawa, et 50 autres à l'école primaire publique de Yaokopé dans la préfecture d'Amou. La remise des dons a eu lieu le samedi 8 juillet 2023 en présence du président de CAD, M. Kodjo Paul Abbeou, du vice-président M. Kossi Oga, du président sortant M. Pascal Dinadia, des autorités locales, de l'équipe de coordination nationale de CAD, des parents d'élèves, des élèves eux-mêmes, ainsi que l'ensemble des populations des villages bénéficiaires. Cette initiative et d'améliorer les conditions d'apprentissage des élèves de ces écoles. Un de notre objectif, c'est œuvrer dans le secteur éducatif. Et nous avions pensé à nos villages d'origine et nous avions fait un tirage au sort. Et le choix a porté sur Yaokopé. On a fait une étude de base et on a vu que l'école primaire a plus besoin des tables bancs. Et on a décidé de donner ces dons à l'école primaire. La raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui. C'est la base du développement. Et la raison pour laquelle, avant de pouvoir bien étudier, il faut que tu sois bien assis. On a jugé bon d'aider nos petits frères et sœurs pour qu'il y ait une base solide permettant de bien étudier et d'aller dans l'avenir. Pour l'avenir, nous projetons œuvrer dans le domaine sanitaire. Nous comptons amplifier nos actions dans le domaine sanitaire, donner plus la santé à nos mamans, à nos papas, et qui n'ont pas, d'une manière ou d'une autre, accès à la santé. Nous comptons œuvrer dans ce domaine aussi pour apporter notre soutien au développement de notre communauté à Kosovo. Les représentants du directeur régional de l'éducation, les parents et les élèves ont exprimé leur gratitude envers les généreux donateurs qui se préoccupent de l'avenir des jeunes de leur communauté et ont assuré aux donateurs que les tables bancs seraient utilisées de manière optimale pour répondre aux besoins permanents de place pour les élèves dans les écoles. Quand les tables bancs offert par l'association Cowboy. C'est une association des ressortissants à Kosovo vivant aux États-Unis. Ces bancs s'inscrivent dans la feuille de route gouvernementale. Très content et nous remercions l'association Cowboy pour ce don. Parce que ce don vient à point nommé pour permettre à nos élèves d'être à l'aise, de travailler dans les meilleures conditions de travail. Je suis satisfait d'avoir reçu don de 50 tables bancs pour le CG de Ounabe. Vraiment, mon deuxième sentiment, c'est de vous dire merci pour le geste. C'est vraiment salutaire pour le CG parce que même si l'établissement a été rénové, les tables bancs qui y sont ne l'ont pas été. Donc, ce don-là vient remplacer les anciennes tables bancs. Promettons un bon usage et nous implorons les mains des ancêtres et le Dieu Tout-Puissant afin que, quand vous allez revenir, vous constatez que nous voudrions bien aussi créer quelque chose comme vous l'avez créé. Disons merci à l'association Cowboy. Le don de ces bancs. Nous rassurons que ces bancs vont nous servir à apprendre et à bien réussir la classe supérieure. Fondée en 2011, l'association des Akposso de la diaspora CAD s'engage activement dans le développement des villages Akposso. Elle vise à créer un esprit de fraternité, de soutien, de cohésion, d'assistance et de résolution des problèmes au sein de la communauté Akposso. L'association réalise des projets éducatifs, culturels et socio-économiques. Avec environ 100 membres régulièrement inscrits, son siège principal est situé à Washington aux États-Unis et accueille non seulement des membres de la diaspora Akposso et assimilés,
mais aussi des sympathisants qui soutiennent sa mission de développement et ses objectifs fondamentaux.